Hey, salut à tous, c'est Loïc, j'espère que vous allez bien. Donc bon, on va tester ce que fait un bison 4, un joli pétard hein, qui fait la taille de ma main. Et je commence, précision, c'est interdit aux mineurs, on ne joue pas au pétard sans la surveillance d'un adulte, c'est très dangereux, on prend une bonne distance. Là, vous la voyez pas, mais bouteille d'eau parce qu'on sait jamais, ça reste quand même des engins pyrotechniques. Donc ça peut prendre feu. Là, je suis dans un champ, il n'y a personne autour à moins de 100 mètres. Donc, on fait ça dans les règles, on fait ça proprement. Cette boîte aux lettres, du coup, va tester le bison 4. On va voir ce que ça donne avec, hein, parce que c'est quand même assez marrant et c'est pas tous les jours qu'on fait exploser des boîtes aux lettres. Donc, je vous laisse profiter du paysage le temps que j'enlève mon micro-cravate, que je vous fasse exploser tout ça. Et je ne ferai pas de coupure, comme ça vous profiterez en direct de l'explosion. Donc, bison, s'il vous plaît, caméraman. Oui, je vais tout faire parce que comme je suis tout seul sur la chaîne et bon, je peux pas filmer sinon. Donc, voilà, il est là, mon pétard. La bouteille d'eau que je garde à côté, que je vais pas ramener tout à côté. Et du coup, on va voir ce que ça donne. Donc je fasse gaffe parce qu'il y avait encore des guettes tout à l'heure. À mon avis, ils vont pas rester longtemps. Comme vous pouvez le constater, la boîte aux lettres eh bien, n'est pas ouverte. Hein, c'est résistant. Hein. Comme dirait la tour Montparnasse infernale, elle est rapide, mais est-elle résistante? Eh bien, comme vous pouvez le constater, elle est en état de fonctionnement. Donc si elle est toujours sous garantie, je pense que je vais aller leur demander et leur dire voilà, il y a eu un petit souci. Hein, et puis avec ma barbe, ils vont m'accuser de je ne sais quoi. Oui, parce qu'il y a un gang qui s'appelle le gang des boîtes aux lettres. Il navigue dans toute la France à la recherche de boîtes aux lettres égarées par des voyageurs ou des vagabonds. Parce que les vagabonds sauvages ont des boîtes aux lettres sur leur sac à dos. Et ils traumatisent les boîtes aux lettres à coups de pétards. Voilà. Donc, bon, je vais quand même arroser tout ça parce que ça fait de la fumée. Et si ce genre de vidéo totalement débile hein, vous plaise, parce que comme on est quand même assez nombreux et que je suis quand même un peu débile sur les bords, eh bien, vous pouvez vous abonner et je ferai exploser tout un tas d'autres choses quand je serai à Paris, c'est beaucoup plus marrant. Mais pisse dessus. Oui, sûrement. S'il vous plaît, caméraman, pouvez-vous couper quand même, c'est désagréable.